Le trophée des For You Awards a été volé et je pense savoir qui est le coupable. Il vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros et sans lui la cérémonie est compromise. Alors sur place, tout le monde a commencé à créer des théories pour savoir qui est le coupable. Soleil Nocturne a accusé Vintage Tran car elle l'a vu courir dans les couloirs du théâtre pile au moment du vol. Mais Vince est innocenté par sa propre vidéo dans laquelle on le voit poursuivre le réel coupable. Au passage, il nous a fait part de ses soupçons sur Badzer, mais je pense que c'était une fausse piste. Car ensuite, le théâtre nous a donné accès aux caméras de surveillance et vous allez être surpris car sur les images on aperçoit Monsieur Wish s'approcher du trophée. Mais dans sa vidéo on le voit simplement soulever la cloche qu'il a d'ailleurs laissé tomber avant de s'enfuir. Encore une fausse piste, mais sur la caméra de surveillance, on voit également le voleur en pleine action. Le problème, c'est que son visage est méconnaissable. Alors certains accusent toujours Badzer, d'autres Antion Raka, mais personnellement j'ai une toute autre théorie. Je vous explique tout dans ma prochaine vidéo.